Bon, salam Drari. Donc aujourd'hui, un nouveau vidéo, c'est à propos de l'indicateur de volume en balance. OBV, c'est un indicateur volumique. Donc la majorité des les traders mettent de mouche l'OBV à ils mènent un OBV qui est un XGP des trades très intéressant plus confirmation mal price action. Donc, l'OBV c'est un indicateur volumique, c'est-à-dire les prix que Z, donc chaque jour, les prix que Z chaque jour. Le volume est radio calé, c'est-à-dire radio qui Z. Donc, toujours confirmation, mais les prix. Le prix radio qui est en casse au cours du temps, le volume est en casse au cours du temps. C'est ça le message de l'OBV. C'est le volume. Il traduit un message de volume. Volume qui Z, volume qui est en casse, ma confirmation des prix. La première indication, c'est ça. La deuxième indication, l'axe de l'aide. Le volume, le prix qui Z, radio qui Z, radio qui Z, mais le volume qui Z. La situation de range, le volume, la situation de range, malgré n les prix que Z au cours du temps, donc c'est un signe de renversement. L'indication Lula, l'indication Tchania, il me qu'aidena, c'est le volume, ne montait pas, malgré la tendance haussière sur le marché, c'était une indication que la pression d'achat commence à diminuer. Donc voilà, les prix que Z, regardez que Z, le prix qui Z, mais le volume stable. La situation de range, mais qui dit ou elle est c'est un signe de renversement. Donc, d'accord, mais il y a deux deuxième technique. Donc, troisième indication ou à la confirmation, mais le prix, très situation de range, mais dit mouvement range, mais qui mouvement le volume, tu confirmes à la marre, mais le prix, c'est l'objet de votre à la situation de range. Donc, quand tu vois la liquidité, mais le marché, la radiche à la client, ou tu connais, ou qu'on a dit. Individuel des trends, des trends. Donc confirmation tool for trends. Il y a des leads là. L'OBV, le volume de situation du range, mais les prix. Ou plus confirmation, mais les prix. Tiens, ou situation du range. Donc confirmation tool for trends. Il y a une grande chose qu'on a de la volatilité, mais le marché, biche charge. Dire ou a de la tendance. La troisième technique à quelle est. Quatrième technique, la divergence. Donc, je vais utiliser l'OBV pour trader les divergences. Voilà le quatrième technique. Donc, n'est-ce pas la stratégie de la divergence, c'est clair. Divergence plus, je dois employer le 2 moving average exponentiel ou de chaîne ou de saute. Donc, c'est simple. Donc, directement vers des exemples. Donc, à l'euro GBP, fresh time 15 minutes. Donc, on va traiter les 4 indications de Gilcham. les quatre indications, les quatre signes, la première indication, la divergence, low lower low higher, mais que je connais pas faire la divergence. Donc c'est simple. Donc à la divergence de l'OBV, une zone de l'archidet plus break de l'aide le trend les que tu veux en plus confirmation de le cross, mais les deux moving average exponentiels, le 21 au-dessus. Donc, nous qui sommes en train de le trade. De plus, c'est un trade. Donc, c'est un trend. C'est une tendance haussière. Donc, une divergence. Le break de la ligne, plus une forte zone de renversement. Donc, c'est un début d'un trend, plus le cross, les deux moving average exponentiel. Donc la première indication de la divergence du HLR. Ensuite, l'autre exemple intéressant. Donc là, je vais vous dire. Donc, la deuxième indication du HLR. Donc là, je vais vous dire. L'OBV est mal aussi. L'OBV est en situation de range. L'OBV est en situation de range. Malgré le prix, radio qui Z, a dit une chanel haussière. L'OBV fait situation de range. Mais qui Z, le volume qui Z, un fort renversement. Voilà. Où est-ce qu'il y a? Le break. De la chaîne plus une confirmation
le break ديال هاد لا شانيل كما كتشوف اسيدي بليس كونفيرماسيون ديال الكروس ما بين الموفين افريج 21 و 9 دونك لو بي فيتر سيتياسيون ديال رانج ما كاينش ان موفمون ديال لو فوليوم مي لو بري كيتزاد اسيدي او كور دو طون مالغري ان الفوليوم ما كيتزادش دونك ان سين دو رونفيرسمون لو بريك ديال لا شانيل دونك بليس لو كرو ديال موفين افريج اكسبونسيال 21 و 9 La deuxième indication très touch est de par des exemples. Donc, à l'aide des indications, divergence, l'obivu fringe, les prix qui z, un renversement. Et j'ai cité, troisième exemple, l'obivu fringe, les prix qui ou fringe, j'ai cité, le marché, le prix fringe, l'obivu volume fringe, j'ai cité, le prix qui ou fringe. Donc, en tout cas, le début d'un trend, le début, غتكون واحد ليكيديتي اللي غتحرك ليا المارشي كما كنشوف هنا وميمكنش هاد لي زانديكاسيون اللي غتعقل عليهم مزيان عشان غتعقل عليهم مزيان وان شاء الله تريتي دي زيكزامبل اليورو جي بي باي دولار اي مارشي الكولد الداورونس كلشي جو بو فيغ ان شاء الله دي تريد لايف اي جو لو زون ريفيو البريس اكشن ان شاء الله دونك فوالا لا ثروازيام انديكاسيون شتي قدام عينيك دونك واقيلا هادشي دويت عليه Donc c'est ça. On va regarder la autre divergence. Donc voilà. On est vraiment intéressé à la divergence. Donc voilà. Donc on a le higher. Donc c'est une divergence baissière. Donc toujours le cross du moving average exponentiel, le break du sous-trend. Oh Donc même que je me cache. Est-ce du réel? مني هادشي باقي ما كاينش هادشي باقي كامل ما كاينش لو بي في سي واقف لك هنا نورمالمون سي دونك لو بي في واقف هنا لو فوليوم في ال المساويات بلس اون ديفيرجنس البريك ديال السبور لو كروس ما بين موفين افريج اكسبونونسيال 21 و 9 C'est une divergence baissière. Donc, nous quittons maintenant. Donc, c'est ça. On va regarder l'autre exemple. Autre exemple, c'est ici. Donc, on va tracer ici. Et on va voir ce que vous avez dit. Vous avez dit que 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 C'est une divergence. Qui est la divergence, c'est une divergence baissière. Donc le higher. Donc on a je suis là, une confirmation de l'impact trend baissier de plus le break d'elle ici c'est un pattern c'est un je pense que c'est le flag c'est un pattern donc cherchez ce pattern ramshaw donc voilà divergence tendance baissière un pattern le cross de le moving average le 21 saoud donc position je veux faire toujours des positions de vente donc c'est simple donc les indications d'achat l'obivu situation des ranges plus confirmation mais les prix chauff situation des ranges donc un tour cas une tendance soit baissière soit haussière d'où j'ai l'air il a dit l'obivu situation des ranges les prix situation des ranges en tout cas une début d'une tendance Et puis je mets la deuxième indication, l'obivu toujours en situation de range malgré un L prix fixé de mon sommaire. Donc un signe de renversement au budget de charrière fixé. Voilà les divergences très claires. Donc, je veux faire des trades live en utilisant l'indicateur l'obivu et d'autres techniques, Inch'Allah, sur le Dow Jones ou le Gold. Donc, اي حاجه ما فهمتوهاش فهموا ان ميساج بوغ يعني باش نوضح لك الفكره دونك فريمون دونك غنطلب منكم طلب واحد تيستي سا او ديمو زيد قرا زيد تمعن توجور ما توقفش دومين دي تريدين كبير بزاف كاع
كتحتاج توجور بحاجة، وإن شاء الله غادي توصل أي حاجة ما فهمتيهاش في مو أن ميساج. تبارك الله عليكم.